Bienvenue sur Contact Pro Life, c'est Germain Caillé dans la présentation. Merci encore une fois de plus de nous avoir rejoints et d'être fidèle à cette émission. Merci pour tout le monde qui est en train de s'abonner, j'en suis vraiment fier. Alors hier nous avons essayé un peu de voir dans quels angles et aujourd'hui nous nous sommes dit, parce que j'avais posé la question de savoir, et tout le monde se pose cette question, est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle habilité à juger les anciens présidents de la République. Nous avons décelé un article, une loi qui a été votée le 26 juillet 2018, justement donc quelques mois avant les élections. Donc cette loi est passée donc en force pour justement sécuriser Joseph Kabila parce qu'il y avait, il restait un flou sur les anciens présidents de la République, car la Constitution ici n'en parle pas. Donc c'est ainsi qu'il y a une voix qui a été votée, donc qui a été passée, et Kabila, le 26 juillet, a promulgué cette loi-là. Donc c'était quelque chose de forcing qu'on a forcé pour essayer un peu de sécuriser ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, il se pose un problème. On se demande maintenant, Nalolenge wana, est-ce que c'est comme ça? Parce que loi yango tango tangi yango epesi na kanda. La loi est promulguée, donc la loi est effective. Il faudrait que Kabila wana kofutaye. Donc on parle d'une somme monumentale de 600 et quelques combien de $1000. Yango na batoye FCC babanga kaye parce que l'État est obligé de payer cet argent-là. Bon, bafuta kaye yango, mbon wana e utaka wapi, pendant que les provinces, pendant que tozo kokaku touté, donc ba makambwa ba corona ouyo, donc ba biloko ebele mbongo, mbon kaza na besoin mbongo, mais on est en train de donner cet argent. Na ebite, il faut que les gens puissent nous dire exactement, est-ce que ba mbon wana e futa maka régulièrement, comme c'est prévu par la loi. Mais nandenge batu pe bafu ba banga kaye batu nae baza en place c'est que bambo ngwana e bimaka e futa maka toyoka na muteke no ancien président de la République a zana retard à paiement non donc la République lui doit maintenant awa nous sommes dit comme émission na biso ezalaka ya kotala makambo ya mibeko na actualité, nous sommes intéressés à cette requête que Mukuna demande à la Cour constitutionnelle ba juger donc plainte naye. Na loba ki lobi que en tout cas 80-85% des chances et qu'on réussisse. Pourquoi? Parce que Cour constitutionnelle a sa réhabilité te ya ko juger ba makambo wana. Il reste une chance. La chance en haut de Nini est peut-être dans la communauté internationale. Parce que le Makambo Oyo, quand on a signé le traité à la CPI, à Babylon, comme Soussou, nous pouvons élever, donc, plein de toits qui sont au Kende, comme ça, et jump Makambo Anani à la Cour constitutionnelle. Mais restons d'abord ici. Moi, mon souhait, c'est quoi? Moi, mon souhait, c'est que tu recourir à l'instance internationale. Justice na biso ezala vraiment na pouvoir wana ya ko juger. Il faut que tous ala na pouvoir ya ko juger ba trafic d'influence wana esi la mutu soko zo sala mbeba oyeba ke non mutu oyaza a côté il peut te traduire en justice ba okiko kanga yo et pour ba okiko condamner yo tu peux aller en prison facilement. Exacte que toza na ba intouchable parce que système à Kabila ezaki ko mettre en apothéose ba intouchable wana. Nous avons vu des antivaleurs qui ont été applaudis ba to ba miyibi. Espérons que le procès de demain va aboutir à changer l'image de notre justice. Néanmoins,
Et le coup, on a le bas et tout le bas, au bozo landa awa, et ça, bah, n'a pas à particule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, tout oyo, bah, créa qui voici c'est les lignes. Voici les lignes que dit la Constitution. Na kotanga la bino awa, quelques articles, kaka na kotanga, on nommément pour vous dire qu'est-ce que la Cour constitutionnelle fait exactement. Awa toza na article 161. Bah, article la Cour constitutionnelle, soko lingo kene na Cour, nanani na. La constitution na biso est bandi de 158 à 169. Il y a à peu près 10 articles là-bas. Oyo, formation, comment ça fonctionne, ba juge na bangoise, ba zo makande nini. Mais ah, on a qu'un article 161 pour na la kisabino, musala na bangoise la kanini. Balobi boy, la Cour constitutionnelle connaît des recours et interprétations de la constitution sur saisie du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province, des présidents des assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que entre l'État et les provinces. Elle connaît les recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et la Cour d'État uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ces recours n'est recevable que si un déclinatoire des juridictions a été soulevé par ou devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Est-ce que la Cour constitutionnelle est pour nous juger ou bien interpréter kakaka et l'obaka et là qu'on a dit nous binon auto accepté en gros donc plainte à Mukuna aza ko s'attaquer nanini parce que tout monde en gros et puis quand on a lu que Mukuna s'attaque à M. Kabila sous son état, banini, babilo, qu'on a. Or, cour, loi, oh, Zali, que non, Kabila, qui kozala nanite. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va nous dire? Et qu'on a dit ça, bisonini, parce que ça a habilité à qu'on juge, qu'on n'a jamais convocation, que non, M. Kabila vient te présenter dans la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, ils ont la kaka ba loi. Ou bien ba plainte mususu loi ou bien ba si ba condamné yo oké ko ça la recours oké o lobby non que loi fuboye ton lo banet par exemple na elo konet ya na ezaka ba plainte ko se plaindre lobby non par exemple non obomoni ba kanginga me ba respecta ki procédure te me ba condamné ngai na za ao cour constitutionnelle ko se prononcer lobby oui. Et là, on a examen B. Et puis, donc, quelle décision on a. Donc, Cour constitutionnelle est coquille qu'on annule selon la compréhension de la Cour constitutionnelle. Et on a la loi, on a la loi, on a la loi, on a la constitution, on oui, la loi, on a la constitutionnel. Donc, on a conforme à la constitution. On a la bangonde, on a la custodien, on a la constitution, on a la bango ne ba interpréter kababilo konyo somso et puis ba rendre ba arena bango. Ba arena bango eza exécutoire, c'est-à-dire ceux qui ba lobby que non. Et loko yo eza malamu to eza malamu te. Bango ba yo rater que non yo sala ki boye yo se te. Bango ba examiner kabatali ba lobby. Non, jugement o eza le maki. Oyo ba sali bo oube ba baba et loko loi bo ezo sa ezo lo ba bo. Bango ba suivre loi wana ba tangi constitution. Batali, ba comparer, ba sali arre. Ezalaka makambo ako samba banini ezalaka te selon ndenge na ni cour constitutionnelle en quoi fonctionne monaka. Ba examinaka, ils sont là pour interprétation de la constitution. Est-ce que eloko oyo eza constitutionnel ou pas? Est-ce que eloko oyo ezo mérité ya kokende na nani na e jugement oyo eza conforme na constitution nde musala na bango bazala nango. Donc, au-delà de ça, la Cour constitutionnelle
ekoki koloba te ke no tobanda procès boye te ezalaka bongo te. Alors soki na cour constitutionnelle oyo batali balobi bon effectivement requête ya mukuna oyo, c'est comme ça que je me dis bakosala na yango nini, quelle est donc tofu bafundi il faut oya na nani na est-ce que bako interpréter nini ba fait ou bien bako interpréter ba... La cour constitutionnelle n'est pas dans le fait. Président de la République ayaki na ordonnance na ye alobi ordonnance oyo par exemple ya ko décréter état d'urgence botale langa ngo soki eza conforme arrêt à cour constitutionnelle lobby oui eza conforme selon constitution na biso. Bon, mais maintenant quelle est la loi qui stipule ya motozo lobake peut-être ce que mukuna devrait faire ba orienter plainte wana na nani na loi oyo dans un premier temps. Ce qui t'a dit, tu suivre penza ba succession ya ba yaba fait pour que Kabila a comme nanani na abanda koko asamba awa na Congo. Je crois que Mukuna devrait se plaindre devant la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité ya loi oyo promulguée en ba changea ki donc la loi promulguée sur les anciens présidents de la République. Comme ça, cour constitutionnelle a quoi qu'on examine en loi ou qu'on l'obat, oui. Bon, loi O et Zalaki déjà promulguée. Bon, rappelez-vous que la cour constitutionnelle ne crée pas de loi. Ba crée à kaba loi te. Ba loi est créée dans le Parlement, dans le Sénat. Il faudrait que dans le Sénat, dans le Parlement, ba crée loi, ba écoute en la cour constitutionnelle, ce qu'ils ont déjà promulgué. Cour constitutionnelle à Kamataka loi wana atie yango comme outil naye de travail. Mais maintenant, s'il faut condamner cette loi là, il faudrait que plainte et outa na parlement na sénat réuni en congrès. Qui peut appeler le congrès? Il n'y a que le président de la République. Ne mutoroi ko sangisa batu wana ensemble au kikoloba na bango ok bo sangana pona likambu boy. Et puis encore sachez que pour que congrès e bengama ezana ba 4 ezana 4 soki 5 sujets en matière au congrès et siégeaka, mais c'est au cours de ce congrès là qui peut y avoir une motion moko incidentielle ou bien motion moko oyo ekoki e peut-être levé pour que ba examiner ka oyo Yako contre loi Oyo et cela qui promulgué en 2006. C'est ça un peu l'ambiguïté où ils ont nakati ya eloko Oyo ya Mukuna. Donc chemin ils ont moulaï. Donc Mukuna azana vraiment na azana na montagne moko makasi ya komata pour na kokoma. Mais je ne dis pas Mukuna parce que en tout cas il y a des bavures na ba congolais belé. Quand vous lisez, moi-même, quand je lis loi Oyo Zalaka promulguée en 2018, ça m'a écœuré. Et c'est là où on comprend pourquoi Batouba adora Kabila. Parce qu'on l'a élevé au-dessus de la loi. Mais qui ça qui est au-dessus de la loi? J'espère que vous avez compris un peu ma démarche. J'espère que vous m'avez compris aussi dans ce que j'ai expliqué ici, tout en étant, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu, selon ma compréhension, Oyo, biso batuase, donc les gens normaux, ba mingamba, Oyo politique et sibisaka, parce que c'est cette constitution qui nous régit, et nous sommes censés de le connaître. C'est ainsi que ce qui t'a vu, moi, compréhension, Mouké, nous avons décidé à partager ensemble. Si vous avez aimé cette émission, faites un petit geste, un like, beau like vidéo, partagez aussi, continuez à partager et à inviter les gens de s'abonner sur la chaîne. Merci beaucoup, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir, portez-vous bien.